Enchanté, moi, Jean de La Fontaine, je vous salue de Château-Thierry et vous me voyez ravi de pouvoir vous narrer aujourd'hui mon histoire fabuleuse. Tout d'abord, je suis venu au monde le 8 juillet 1621, dans la cité Castel-Théodoricienne. Et j'ai été baptisé dans l'une des églises de la ville. Nous possédons même une magnifique demeure, avec un très joli puits, signe de notre richesse, ainsi qu'un calme jardin tranquille et reposant. Durant ma jeunesse, grâce à la fortune de mes parents, j'ai la chance de pouvoir étudier et m'instruire au collège de la ville. Et ensuite de poursuivre mes études d'avocat à Paris. J'ai pu y apprendre le latin, le langage des religieux et des scientifiques, et découvrir les auteurs Ésope et Phèdre et leurs recueils de récits et de fables. J'en ai été passionnée et ils m'ont émerveillée. Fascinée, j'ai donc décidé de m'en inspirer et de les rendre encore plus vivants, en les humanisant et en personnifiant les animaux qui prennent la parole dans des dialogues. Je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçons. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Tout parle en mon ouvrage et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Au fil de ma vie d'étudiant, je fais connaissance et je me lie d'amitié avec deux artistes de Paris, Molière et Racine. De retour à Château-Thierry, j'assiste mon père dans ses diverses charges des eaux et forêts. Et mes études d'avocat m'autorisent et me permettent de rendre également la justice à l'auditoire ou la maison commune. Je n'ai pas beaucoup d'argent, puisque je vis sans économie, au jour le jour, comme la cigale de ma fable populaire. Et je préfère faire la fête et me divertir avec mes amis dans les auberges des environs. Pourtant, je deviens célèbre et aujourd'hui, la rue des Cordeliers, les moines de l'ancien couvent portent mon nom. Parlons maintenant de ma ville natale, Château-Thierry. Ce nom indique qu'elle possède un splendide château médiéval qui a appartenu à la duchesse et au duc de Bouillon, des amis qui m'hébergent volontiers lorsque je vins à ma maison. Il n'en reste aujourd'hui que des ruines, les remparts, le chemin de ronde et quelques tours. Au Moyen-Âge, les habitants lui avaient donné le surnom « la nourricière de Paris ». Car on y pratiquait le commerce du grain dans les halles. De nos jours, comme la tortue, les visiteurs se hâtent avec lenteur et aiment flâner ou se promener à Château-Thierry.
Ils peuvent y contempler ses vestiges et garder en mémoire notre devise. Château Thierry, nul ne s'y frotte.